Et bonjour à tous et bravo, on se retrouve en MMO sur Watch Dogs 2. Alors, pour l'épisode 8. Ouais, 8. Alors, bon niveau. Hop. Voilà. Ce petit toit de nerf qui est beau. On va descendre. Il faut comparer, ok. Allez. Merde, merde, merde. Merde, 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 merde. Merde, hey, mec, merde. Qu'est-ce qui se passe? Je regardais des chiffres, combien de gens avaient téléchargé notre app, combien de puissance de calcul on avait disponible. Et c'est là que je l'ai vu. Quoi? T'as vu quoi? Une partie de nos followers et des bots proviennent de comptes invite inactifs ou fermés. Attends, ça veut dire que quelqu'un a utilisé un réseau social pour booster nos chiffres? Mais qui? Et combien de comptes surtout? Je sais pas qui, mais ça vient directement d'invite. Quelqu'un avec l'accès admin, ça c'est sûr. Et pour la quantité... Putain! Je suis désolé, j'ai pas vérifié. Non, c'est de ma faute, j'ai pas vérifié. Josh, j'ai pas vérifié. Non, c'est pas ta faute. Non, mais peut-être que tout simplement, on a un méga fan chez invite. Ouais, ou peut-être bien que quelqu'un essaie de merde, nous baiser. Merde, merde, merde. Faut qu'on se bouge. Marcus, je vais trouver un moyen d'entrer chez eux. J'aurais dû vérifier, j'aurais dû vérifier, j'aurais dû Josh, vérifier. Josh! Arrête, c'est pas ta faute, ok? On les a tous vus, les chiffres, et c'est toi le seul qui t'en est rendu compte. T'as assuré. T'as assuré. Hmm? Ok. Ah, ça c'est con, ça. Ok, bah allez, let's go. Faut qu'on enquête. On va en côté. Non, pas de problème. Tac, tac. On y go. Bon, bah, on va prendre ça. C'est là. Ça va, c'est à côté. Hop. C'est juste là, donc ça va. Non, attends. Hop, on va enlever lui. Hop là. Voilà. Je t'envoie les comptes marqués. Utilise l'ordinateur de la présidente, Marie Catskill. Elle est en vacances, son bureau doit être libre. J'ai cliqué sur une pub pour de la crème anti-morue. Oh, bordel de merde! Ah. C'est sûr. Oh, c'est chaud à... Ah, ça il va trop. Il vous faut un accès. Voilà. Raté. Ah. Et voilà. Là, ah, il y a un boîtier là. Ok. Allez ici.
pas. De toute façon, on peut se balader. Bien, bien. Tranquille. Nickel, c'est là. Allez, voilà. J'ai déverrouillé l'ascenseur, j'y vais tout de suite. Tac, voilà, ici. Et voilà. Je suis dans l'ascenseur, on va enfin avoir des réponses. Bonne chance, Marcus. On est avec toi. Ça y est. Je vais essayer de voir qui a gonflé nos chiffres. Wow, wow. Il s'est passé quoi, là? Les clients marqués ont disparu. Les bots sont plus là. Qu'est-ce que t'as fait? Mais rien, c'est pas moi. Marcus, je tombe mal? On dirait que je tombe mal. Je parie qu'elle prend des glaçons, plus. Je pense pas avoir besoin de me présenter, si? Je sais qui t'es, ouais. L'autre nuit à la plage, tain, je savais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Eh bien moi, je crois que c'est le destin qui a voulu que je sois là, l'autre soir où t'es entré dans nos systèmes. Il fallait que je sache qui t'étais, et quand je t'ai trouvé, tu pissais sur tes baskets. Tout dans le cerveau, rien dans la précision. Qu'est-ce que le directeur technique de Bloom fait dans le bureau de la PDG d'Invite? Et pourquoi t'as gonflé nos stats? Laisse-moi deviner, tu viens me proposer un salaire de bâtard? Ah ça non. Non, 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 non. Alors oui, c'est sûr que t'es plus doué que la plupart de mes programmeurs. Mais moi, tu vois, je peux pas vendre le CTOS 2.0 comme un système de sécurité de pointe et après... embaucher un type aussi peu recommandable. Wow, wow, wow. Je suis juste venu prendre un verre. Mais... hey. Si tu veux un verre et une danse. Ok? Ah, tu trouves ça marrant, hein? Vas-y. Fais-moi un coup, vas-y. Ah, tout le monde te bouffe dans la main parce qu'il pense que ton système est infaillible. Mais tu vois pas toutes ces vies que t'es en train d'écraser! Tu sais quoi, Marcus? Tu sais quoi? Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise ce qui est bon et ce qui est mal! Ils veulent pas savoir comment ça marche, je sais ça marche! Ouais, sauf que rien ne marche. Quelques vies, un prix dérisoire à payer. Dérisoire pour améliorer le sens dans lequel va le monde. Tu mènes une guerre dont personne n'a rien à foutre. Continue à te battre contre le courant et tu finiras sur la plage. Pourquoi t'as gonflé les chiffres de DedSec? Parce que dans la Silicon Valley, personne sait mettre une vraie droite. Ça, et puis vous êtes un sacré investissement. Vous êtes si agressif, si indigné. Vous avez envoyé le reste de la Silicon Valley directement chez moi. Tu nous as utilisés pour leur vendre le CTOS 2.0. Ouais, c'était le dernier rempart contre des hackers comme vous. Et maintenant, tout le monde veut ma protection. Bon, écoute, Marcus. Ton dossier est de nouveau accessible, ta backdoor est grillée. Et ces bottes que je t'avais données, envolées. Oh non. Oh, et... Il y a aussi un mandat sur ta gueule. Oh putain. Pour piratage, espionnage industriel... et vandalisme avec effraction. C'est pas grave.
Je comptais pas me resservir. Ça fait chier. Oh là là. Vous êtes fermés. Sortez les mains en l'air. Merde, je me suis fait avoir. Putain. Marcus, il y a des flics partout, tire-toi de là. Sa mère. Marcus, ils encerclent le bâtiment. Calme-toi et dégage de là. Je répète, sortez les mains en l'air. Ok, ok. C'est bon, c'est bon. Ça. Et hop là. Putain, non. Oh, il faut vite que je me sorte de là, trop je vais faire okay. Oh, ah, désolé madame. Ah. Allez, on go. Putain! Marcus, ça devient vraiment trop chaud là. Rentre au QG, on trouvera une solution ensemble. Bah. Putain, faut pas accéder là. Tiens, voilà. Disparition. Et voilà. Donc, après, on retourne au QG, à mon avis. C'est pas si grave. Là, on passe juste pour des bouffons. Enculé, fils de pute! Wrench, calme-toi, merde! Ça sert à rien. Ouais, t'as raison. Ça sert à rien. Marcus, tu veux contribuer? Les gars, je vais être honnête avec vous. En général, j'ai pas de plan. Mais là, j'ai une idée et... Je sais pas, mais... Faites-moi confiance, sur ce coup-là. C'est parti. Merde. Ouais, bien joué, Rex. Je sais que ces temps-ci, c'est pas la grande joie. Non, c'est carrément pourri. Même si c'est la merde maintenant, c'est passager. Tu nous as aidés à trouver notre voie. On s'est attaqué à des géants et ça a été une putain d'expérience. Au fait, on t'a jamais vraiment remercié. Et pourquoi t'en parles comme si c'était fini? C'est pas le cas. Moi, je continue. Et toi aussi, alors on va convaincre les autres et... Quoi, tu laisses tomber? Ça vient de nos forums d'EdSec.
Dead Sec, ça vaut plus rien. Dead Sec, c'est rien d'autre que des fakes. Vous faites que de raconter de la grosse merde, hashtag Dead Sus. Mais c'est normal qu'on se fasse tailler de temps en temps, on s'en fout de ça. On s'en fout de... Putain, Marcus. Tu regardes ce qui se passe autour des fois, moi je m'en fous pas. Je me suis cassé le cul pendant des années, pour qu'on nous respecte, et ça bien avant que tu te ramènes. C'est pour ça que je le fais. Mais là, je crois que... c'est foutu. Bah, arrange le coup. Je sais pas si c'est possible. Ouais, bah... si ça peut te réconforter... au moins, toi, t'es pas une fugitive. T'imagines. Je me demande s'il y a une prime sur ta tête. Je pourrais la récupérer. Oh, arrête, tu pourrais jamais m'attraper, de toute façon. Attends, moi, je suis une athlète, bitch. Une athlète, bitch. Ouais, non, laisse tomber. Ouais, okay. Je veux pas me faire mal. Ouais, bon. S'il faut que je les traîne au milieu du désert pour que Dead Sec survive, j'hésiterai pas une seconde. On peut pas abandonner maintenant. C'est cool. Le troisième défi de piratage du Diabor Woko, Swelter Skelter, va bientôt commencer. Chaque équipe doit se faire prendre en photo à la statue de l'entrée. Yo, oh, Josh, c'est qui ta copine? Oh, c'est Suzanne, elle est prof dans une école du Milwaukee. Elle a 32 ans et elle conduit une... Super. Bon, on doit tous se rejoindre devant la grande sculpture pour une photo de groupe avant le début du défi. Enfin, quand tu seras prêt, hein. Tu veux surtout pas te déranger. Me déranger? Non, non, pas du tout. J'expliquais simplement à Suzanne que si son mélange pour faible vitesse est trop riche, le moteur le supportera difficilement et il finira par craquer. C'est un moteur 4 temps. Faut faire gaffe. Ouais, bien sûr, ok. On se voit là-bas, hein. Ok, en fait, faut appuyer. Oh, c'est tout. Ça va aller vite. Laisse ta trace? Toujours. Mais pas celle de Dead Sec. Tu crois pas que ça ferait bizarre? Allez, s'il te plaît, me prends pas la tête. J'essaie de passer un bon moment, là. Moi aussi! Du coup, tous ensemble, en tant que Dead Sec, on va participer au défi et on va le gagner. Et tu penses que les autres sont partants? Mais ouais, ils vont l'être. J'ai un super sourire. C'est vrai qu'il est pas mal, ton sourire. Tu vois, c'est facile. On va gagner ce truc et on va se marrer. Fais-moi confiance. En fait, t'as déjà tout prévu, hein? Non, mais je sais comment te faire repasser en mode Citara, et après, c'est toi qui vas tout prévoir. Mais t'es dangereux comme mec. Retrouve-nous devant la statue quand tu seras prête. Ok, à toutes. Pas mal ça. Hey mec, tu fais quoi de beau? Je vais faire bouger tout le monde. Mais il me faut une vraie tracklist. Y'a rien sur cette merde. DJ Ratio. Quand je mixais, on m'appelait juste Ratio. Et tu sais quoi? Pourquoi je m'y remettrais pas? De toute façon, j'ai rien d'autre à faire maintenant. Non mais Dead Sec, c'est pas fini. On s'est pris un coup, mais on va revenir encore plus fort, tu vas voir. T'es toujours tellement sûr de toi. Je sais. Mais j'ai toujours raison. Attends. Voilà. Bah voilà! Ça, c'est du son! J'ai aussi bloqué le matos de leur DJ pourri. Le sauveur de la fête. Bon, quand t'auras fini de faire transpirer tout ce beau monde, retrouve-nous au milieu. Dead Sec va participer au concours. Ok, ça marche. Oh, après. Ah bon? C'est pas très équitable, ça. Tu m'étonnes que c'est pas équitable. Le gars va se faire démonter, c'est sûr et certain. Mais c'est ça qui est marrant, non? C'est toujours fun de regarder un type se faire massacrer. Ouais... enfin, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied et qu'il prenne sa revanche, non? Quoi? Tu veux faire de ce combat une métaphore pour Dead Sec, c'est ça? Attends, mais moi je suis aussi partant que toi pour que Dead Sec continue. Je suis juste pas sûr que la métaphore puisse s'appliquer à ce taré. Il va se prendre la raclée de sa life. Point barre. Ouais, c'est clair. Bon, tu nous files un coup de main pour la compétition. Ouais, je suis chaud. Allez, let's go.
compétiteurs. Dernier appel pour les personnes souhaitant participer au défi de piratage du Cameroun. Je répète, dernier appel. C'est pour nous, ça. Allez, venez tout le monde, on fait une photo tous ensemble. Et tu sors ton plus beau sourire, ok? T'inquiète. Bon, on dirait que le défi a commencé. Josh, t'analyses les chiffres et tu trouves la solution. French, tu t'occupes du Jabberwock. Tu rebranches tout ça. Ratio, il faut que tu fasses des interférences pour nos concurrents. Ralentis-les. Star et moi, on va hacker ce truc. On y va! Dead sec! C'est parti! Oh, des tenues bizarres, quand même. Putain. Ah là là. T'as un drone là-haut si t'as besoin d'une meilleure vue. C'est bon, j'y suis presque. Je suis entré. Merde. Ah ouais, ok, okay c'est quoi ce truc? Ah, trop cool. Ça devrait pas être trop difficile ce coup-ci. Ouais, mais faut qu'on passe vite. On dirait qu'il y a un timer. Tu crois que tu peux te pirater? Évidemment. Wow. Oh, la puissance de Sita. Oh, chaud. Bon. Il va rebooter. Là, là, ici. Wow, c'est trop compliqué, par contre. Ah merde. Je suis en sous-sol, c'est quoi ce modèle? Ok. Coco. Non. Oh putain. C'est trop chaud. En fait, il y a les deux qui se mettent. Oh putain. Allez, Marcus, t'y es presque. Là et là. Là je vais bien. Il faut qu'il passe comme ça. Là il y en a un qui est bon. Je sais, là, ici. Ok.
il a combien? Ok, il s'est enlevé. Ça lui il est tout le temps, ça c'est bon. C'est bon. Lui pourquoi maintenant? Toujours lui qui va. Nickel. Et voilà. Feu. Ah ouais, comment tu le sais? Parce que c'est obligé qu'il prenne feu. Il peut pas ne pas prendre feu. Je te l'avais dit. Oh, ça c'est vraiment trop mortel, putain. Le Jabberwock, l'œil flamboyant. Moi c'est John. Moi c'est Horatio. Ça va ou quoi? Ouais, moi c'est Marcus. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est Ray. Oh. J'aurais dû mettre plus de jus dans les... Ah. Eh les jeunes, vous voulez vous nourrir l'esprit? Alors suivez-moi. Du 100% pure défonce. Et ben voilà. T'as un petit casse-tête, mais ça va. Ok les gens, je suis offline. On se retrouve de l'autre côté. Eh Horatio, tout va bien mais... Je sais même plus ce que ça fait de se sentir bien. Bon, ça va alors. Est-ce que je vous ai dit que je les avais trempés dans du LSD avant? Josh? Ça va, ils utilisent des hallucinogènes pour tester les malades. Asperger. Josh est en plein trip. Ok, on va te trouver un truc sur quoi scotcher, hein? Ok, ok. Toi, c'est pas juste vrai. Toi, c'est Ray, Raymond, Kenny, toi. J'ai toujours tes vieux fanzines de hacker. Je me souviens d'avoir monté une antenne sur mon vélo 10 vitesses après avoir lu un War Driver. Putain, j'utilise même encore ton vieux rootkit. Fuck steak. Ouais, ouais. Et moi, qui vous prenais pour de simples bidouilleurs. Dis-moi si je me trompe, mais... On dirait qu'il y a quand même des éléments instables dans le groupe. C'est toi le chef? J'ai trouvé Charlie. Non mec, on marche pas comme ça. DedSec a une règle. Pas d'armée personnelle. Pas de chef. Ouais. Seulement au cas où tu l'aurais oublié, c'est toi qui les as amenés ici. Non mec, c'est exactement contre ça qu'on se bat. Le système dans lequel on vit, il est complètement pourri. Tu poses la question à n'importe qui ici et ils te sortiront tous exactement la même chose. C'est facile à dire, ça. C'est trop facile, mon pote. Ok. Il y a quelques années, ce putain de système m'a identifié comme étant un criminel potentiel. Je me suis retrouvé lié à des trucs que j'avais pas fait par simple probabilité. Et maintenant, avec le CityOS, c'est comme ça pour tout. Je veux dire, je le vois au niveau... au niveau subliminal. Tu t'es dédoublé, là. Ouais, je sais, ça a tendance à faire ça. Ce que t'appelles subliminal, c'est un bel weather, Marcus. T'as vraiment l'œil, gamin. Mais le subliminal est passif. Le programme bel weather, il contrôle. C'est comme si Orwell et Huxley te mettaient un double patch. Profilage.
Manipulation des médias, collusion d'entreprises, consumérisme, le tout piloté par des algorithmes prédictifs. Et là, il a été mis en place en plein cœur de la Silicon Valley. Et quelqu'un de chez Blue utilise le CTOS pour l'alimenter en données. Tu recrutes ? J'ai tellement envie de mettre un gros kick dans les couilles de Bloom. Je peux vous aider à être plus efficace. Alors, aide-moi à vaincre le vrai Jabberwock. Allez, viens avec moi, Marcus. Sans déconner. Oh, sa mère. Hey, Marcus, réveille-toi, putain, il faut y aller! Oh non! Oh, j'ai passé la nuit dans une tente à côté d'une nana très nue et très tatouée. Ouais, mais tant mieux pour toi. Non, mais tu comprends pas, mec! C'était la fiancée d'un type des Sons of Ragnarok! Faut qu'on se tire! Faut qu'on se barre maintenant! Allez! Ragnarok! Gronde-toi! Alors n'hésitez pas à liker ma page sur le compteur si vous n'êtes pas encore à la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, ça ferait très grand plaisir. Alors, voilà. Waouh. Ouais. Bah tu m'avais dit que vous étiez dans la merde. Alors jusqu'où? En gros, on est tous en danger parce qu'il y a un gros marqueur rouge à côté de mon nom. Les gens vont commencer à faire des rapprochements. Tiens, ils sont où tous, putain? C'est tout? C'est déjà bien. C'est de Bloom qu'on parle, là. Et là, t'es en train de parler au principal ennemi de Bloom, mon gars. Eh ouais, ça fait des années que j'échappe à ces connards. Si tu veux, il suffit que tu me laisses 2 heures, et je vous efface de leur système. Quoi? Comme ça? Bah, faudra peut-être que je sacrifie une chèvre pour qu'on se la joue médiévale, mais ouais, ça ira comme ça. Ah bah te voilà. On t'a cherché toute la matinée. Ils ont pas de bureau des objets trouvés au Swelter Skelter. Ah, ça, dans le désert, ils sont plutôt du genre « je trouve, je garde ». Mais qu'est-ce qu'il fout ici, lui? Ouais, Marcus. D'où t'invites des étrangers chez nous? C'est arrivé comme ça, ok? On essayait d'échapper à des bikers, c'est... Ouais. Mais bon, tu sais quoi? C'est même pas important, il est cool. Ah, il est cool? Mais c'est génial, ça. Parce que d'habitude, c'est en groupe qu'on discute de ce genre de trucs. Je sais. J'ai déconné. Mais vous connaissez Ray, hein? Pas vrai? Alors, tenez-vous bien, parce que lui, c'est Raymond Kenny! Lui, c'est Raymond Kenny? Je t'imaginais... plus propre. Je sais, on me le dit souvent. Je peux te faire un câlin? Ouais, mais pas plus de 2 secondes, hein. Ça aussi, ça arrive souvent. On peut le garder? Comme un hacker en résidence? On devrait, il peut nous aider. Il peut rester ici? Vraiment? Il devrait rester? Ok, c'est bon. Mais s'il se met à déconner avec l'un de nous, je lui éclate les bourses avec une batte de baseball. Message reçu. Jolie casquette. Joli masque. Ok, c'est cool. Tu veux une bière? Ouais, je veux une bière. Même 2, merci. Tiens, ramène-lui du matos aussi. Il va nous montrer ce qu'il sait faire. Et voilà, fini. Alors j'espère que ça vous plaît, on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, salut !